Toutes les danses que tu veux dans les bras de ceux qui t'entraînent au loin. Va sourire des sourires merveilleux dans les bras de ceux qui te tiennent la main. Mais n'oublie pas que je serai là pour te conduire enfin chez toi. Garde bien la dernière danse pour moi. Va sourire des sourires merveilleux pour les danseurs qui te tiennent la main. Va sourire des sourires merveilleux pour les danseurs qui te tiennent la main. Mais n'oublie pas que je serai là pour te conduire enfin chez toi. Garde bien la dernière danse pour moi. J'attends que vous vous connectez. Entre-temps, je chante. J'attends que vous connectez pour qu'on puisse causer, qu'on puisse parler. Il y a des gens qui disaient, oui, on t'attend, je les attends ici. Entre-temps, on chante en attendant. Sorrow, sorrow since you left me. Sorrow in my heart. J'attends que vous connectez. Tous ceux qui disaient tout à l'heure, oui, Cathy, on t'attend. Venez qu'on cause. You got open. Light up your mind. Turn it on. Because you turn it off. You don't want to focus on anything. You don't want to do anything for you. We got to do something. My name is Maudema. Je suis venue de loin. Que tu sois là, que tu sois là près de moi. Ça me ferait du bien. My name is Maudema. C'est vrai, je me sens très con. J'ai pas besoin d'un coup de main. C'est quelque chose que je n'ai jamais eu. Please call me Maudema. C'est un drôle de nom. Je connais pas comment partager. Je ne te demanderai rien et je te chanterai une chanson. Je te chanterai le matin quand le monde ne bouge pas encore. Je te chanterai ma vie et ma joie. Tant que vous ne partagez pas le live, je ne parle pas, je vais chanter. Je te chanterai le vent divin qui a épousé la fille du nom. Je prendrai tes mains pour me sentir mieux. Fais l'amour peut-être et quand je serai très bien, tu comprendras. Salut Père l'amour, comment tu vas? Et tu m'appelles toujours ma belle-sœur. Dis-moi non, quel est mon Dieu? C'est qui?
Ton grand frère, ton petit frère, ton cousin, c'est qui? Salut, comment tu vas? Je te chanterai ma vie, qui n'est qu'un piano et quelques chansons. Je prendrai tes mains pour me sentir mieux. Fais l'amour peut-être, et quand je serai très loin, tu comprendras. Lorsque je serai très bien, tu m'oublieras. J'avais fait un post dernièrement où je demandais qui était l'auteur de cette chanson. Je pense qu'il y a un abonné qui avait donné le nom, mais il n'a pas trouvé le titre. En fait, j'avais demandé le nom et le titre. Il n'avait pas trouvé le titre. Je lui ai quand même demandé d'envoyer son contact pour que je lui envoie son argent. Il n'a jamais fait. Il a cru que c'était de la rigolade. Moi, ça m'a quand même. Ton grand frère. Ah, ok. Oh. Et moi, je ne le connais pas. J'espère que qu'il va bien, que vous allez bien, toute la famille va bien. J'ai posté tout à l'heure que j'arrivais, je devais faire un mini live. Mais je vois les gens ne sont pas connectés. Et pourtant, ils étaient pleins à répondre. Oui, nous sommes là, on t'écoute et tout. Mais bon, je vois. Tel amour est là. Il y a Dieudonné Tumenta qui était là. Je sais pas. Oh, il y a aussi Koft. Comment tu vas? C'est Tchoué? Comment tu vas? Oh, j'ai essayé de. La dernière fois, on était en train de parler parce que moi, pour moi, je me dis, nous devons arrêter de rester dans la distraction. J'arrive pas à comprendre en fait. J'arrive pas à comprendre qu'on puisse adorer la distraction. Quand je parle de distraction, tout ce qui nous empêche de réfléchir normalement. Je suis sidérée par le fait qu'on puisse être en train de copier les autres. Je refuse pas, hein. C'est peut-être beau, c'est peut-être bien, mais moi ça m'inquiète pour l'avenir, ça m'inquiète pour notre progéniture. Parce que je me pose la question de savoir si nos parents se sont battus tant pour nous, pourquoi ne le faisons pas pour nos enfants? Qu'est-ce qu'on pense d'eux quand on les regarde droit dans les yeux? Qu'est-ce qu'on pense de notre vie dans 5 ans, dans 10 ans? On ne peut pas vivre comme ça. On ne peut pas vivre sans penser à demain. On ne peut pas vivre sans penser à se construire, à s'établir. Un être humain, c'est ça en fait. Si nous sommes sur Terre, c'est pour grandir, c'est pour s'établir. On ne peut pas vivre comme ça. On ne peut pas vivre comme ça. On doit arrêter avec la distraction. Je pense que un peuple assez réveillé, c'est un peuple qui, à un certain moment, dit, on stoppe avec tout ce qui nous distrait. On prend notre destin en main. On prend notre avenir en main. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que, OK, à un certain moment de la vie, il faut qu'on fasse stop à nos réclamations, à tous ceux qui nous sont, et toutes ces choses qui nous sont essentielles pour aller peut-être se distraire. Moi, je suis contre la distraction. D'ailleurs, quand on regarde la distraction, je ne sais pas, c'est parce que peut-être beaucoup de gens ne se rendent pas compte qu'ils sont distraits, que nous restons dans la distraction. Il faut qu'on arrête avec tout ça. Ça ne va pas résoudre nos problèmes quotidiens. Ça ne résout jamais nos problèmes quotidiens. C'est-à-dire, je suis mal à voir des gens que je suis, des gens que je supporte, des gens que j'aime, j'adore, dont j'adore les idées, entrer dans ce jeu-là, ça me fait mal. On doit se réveiller parce qu'on doit penser à demain, à la progéniture. Nous sommes là assis en train de nous distraire. Entre-temps, on adapte les livres, les livres scolaires de nos enfants à la sexualité à partir de 6 ans. Est-ce qu'ils sont assez, ils sont, l'enfant n'a pas grandi? Et c'est ce que je vous posais comme question dernièrement. Comment vous vous sentez quand vous êtes assis en train de regarder les feuilletons où les gens s'amouragent avec vos enfants à la maison? Parfois, on blague avec ce genre de choses, mais c'est terrible. Et puis, on sera étonné de voir des enfants qui ont la puberté précoce et tout ce qui va avec. Il faut qu'on essaye de se réveiller. Il faut qu'on essaye de arrêtons avec la distraction. Je pense qu'on doit refuser à un certain moment tout ce qui est distraction. Quand je dis que pas de distraction, tout ce qui nous empêche de réfléchir positif, avenir, futur. Il faut qu'on arrête.
Moi, ça me fatigue, ça me fatigue, ça me détruit, ça me fend le cœur. J'étais très mal, en fait, à la rentrée dernièrement, à la rentrée scolaire. C'est pour ça que je dis souvent, je vous le dis toujours, arrêtons de prendre la culture des gens pour ramener chez nous. Arrêtons de copier TikTok pour ramener chez nous. Cherchons les stratégies que ces gens utilisent pour nous imposer leurs différentes choses qu'ils font. Prenons ces stratégies et venons adapter ces stratégies à notre culture. Arrêtons de copier la culture des autres. Allons là-dedans dans ce qu'ils font. Copions leurs stratégies, leurs techniques et venons l'adapter à notre culture. Est-ce qu'on peut faire ça? Moi, je pense que c'est la seule chose qui pourra nous sauver. Quand je dis nous sauver, je vous ai dit dernièrement, il n'y a pas plus beau dans la vie que de voir ses enfants réussir. Quand je dis réussir, je vous ai dit dernièrement encore, il n'y a pas, à un certain âge, nous devenons les enfants de nos enfants. Et si nous avons raté l'éducation de nos enfants, c'est fichu pour nous, nous aurons les plus grands, nous aurons dans les regrets les plus amers de la vie. Arrêtons avec la distraction. Tout ce qui nous distrait, je vous assure, je ne suis pas contre les jeux, je ne suis pas contre les compétitions ou quoi que ce soit. Je ne suis pas contre. Mais je pense qu'à un certain moment de sa vie, on arrête de jouer. Ou bien, peut-être je pense mal. C'est bien beau, mais on joue quand on est full. On joue quand on vit bien. On joue quand on est rassasié. Mais vous n'avez qu'à voir de vos enfants. Quand un enfant a faim, même si on est en train de, ses amis sont en train de jouer à quoi qu'il adore, il ne va pas aller jouer parce qu'il a faim. Mais mes chers frères et sœurs, on se plaint tous les jours d'avoir faim, n'avoir pas de lumière, n'avoir pas tout a augmenté sur le marché. Et c'est, on n'arrive pas à gérer si on n'arrive pas à gérer ça. Mais quand la distraction vient, on est là dedans. Quand le jeu vient, on est dedans. Why are you doing that? Je ne suis pas contre. Mais je pense, à mon humble avis, que la personne qui joue est une personne qui se sent bien. Tant que vous allez accepter de jouer alors que vous ne vous sentez pas bien, on croira que vous sentez bien. Peut-être je parle mal, peut-être je pense mal, mais c'est mon humble avis. Tant que vous allez jouer alors que vous sentez bien, on croira que vous vous sentez bien. Je vous ai pris l'exemple aussi simple que ça. Vos enfants, quand un enfant a faim, quand un enfant veut quelque chose, il t'a demandé quelque chose, papa, maman, je veux quelque chose. Quand tu ne lui as pas donné sa chose là que la personne, l'enfant aime, quel que soit le jeu que ses enfants sont en train de faire là dehors, quel que soit le jeu qu'il adore, il ne va pas aller jouer, il est triste. Et la question que je me pose, nous qui nous plaignons tous les jours, et puis nous nous retrouvons en train de jouer. On joue pour montrer que tout va bien, c'est ça? Nous jouons pour montrer que tout va bien. C'est quand même terrible. C'est-à-dire, quand on voit qu'on va se baser sur ces jeux-là, ces choses-là, pour dire que c'est ça qui nous réconcilie, c'est ça qui nous met ensemble, mais on se leurre, en fait. On se ment à nous-mêmes. On se ment à nous-mêmes. Moi, je sais pas, hein. Je sais que vous n'êtes pas d'accord par rapport à ça. Je sais que vous aimez, et je sais que beaucoup, et rien que certaines personnes peuvent penser comme moi je pense. Parce que je me dis, si on se bat pour se sortir de la misère, on ne va pas montrer aux autres que tout va bien. On va pas faire comme si tout allait bien. J'étais sidérée dernièrement, je voulais en parler tout à l'heure, et puis je me suis laissée. J'étais sidérée dernièrement de voir des challenges sur la toile où les parents se montraient fiers que ce soit la rentrée. Bonsoir à Port de l'Ouest, comment tu vas? Les parents se montraient fiers que ce soit la rentrée. Chers parents, l'année dernière, combien de scandales on a vu des parents qui allaient à l'école taper sur les enseignants, parce que les enseignants ont corrigé leurs enfants. Chers parents, vous êtes fiers que ce soit la rentrée. Vous dites, enfin, je vais me reposer.
Mais moi, ça m'a choqué. Ça me choque pourquoi? Parce que moi, le premier jour où mes enfants retournent à l'école, j'ai mal. Parce qu'ils s'en vont vers des inconnus. Parce que la seule sécurité que mes enfants puissent avoir, c'est à mes côtés. Je suis dépassée de voir. Puisqu'on a vu ça se passer. C'est pour ça que je dis, ne copiez plus les gens. Vivez vos réalités. Vivez tellement vos réalités au point de savoir que ma peau noire, c'est une belle peau. Je ne dois pas la déformer, la transformer. Vivez vos réalités au point de savoir que où je suis, ça c'est ma vie. La vie là, c'est la vie de l'autre. Je n'ai rien à voir avec. Je ne vais pas imiter. Parents, je veux que vous restez et que vous vous posez un peu la question. Est-ce que vous êtes si libéré quand la rentrée arrive? Moi, je vous assure. Quand l'enfant sort de la maison le matin, je suis inquiète. Parce que l'enfant, ça va vers l'inconnu. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Peut-être que vous ne mesurez pas assez l'ampleur des choses qui sont en train de se passer dans ce monde. Vous ne mesurez pas l'ampleur des choses. Je suis allée visiter l'école de mon fils. C'était avant-hier. Avant-hier. Vous savez ce que j'ai trouvé à l'école? Sur les murs de l'école, il y a des posters. Sur les murs de l'école, tous les murs de la classe, c'est coloré. Que ceux qui ont la tête comprennent. Je te dis, je vous dis, c'est comme si je suis en train de causer avec quelqu'un. Je vous assure, j'étais choquée. Les murs sont colorés. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce que quelqu'un comprend? Répondez-moi, pardon. Même si on n'est que deux ou trois ou quatre. S'il vous plaît, répondez-moi. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Comme tu dis, tu as mal. Donc pour toi, l'école ne sert à rien. Non, tu n'as rien compris de ce que je suis en train de dire. Je dis bien ceci. J'ai mal quand l'enfant sort de la maison pour aller à l'école. Je n'ai pas dit que l'école ne sert à rien. J'ai bien dit ceci. Les parents qui jubilent parce que les vacances sont finies, les enfants vont à l'école, ils seront libérés, ne sont pas conscients de certaines choses. Ils ne sont pas conscients du fait que quand l'enfant sort de la maison, même si tu connais l'enseignant, c'est ton voisin, l'enfant s'en va vers l'inconnu. Le meilleur éducateur d'un enfant, c'est son parent, mon ami. Si tu n'as pas compris ce que je suis en train de dire, ouvre bien les oreilles, tu comprends. Je n'ai jamais dit quelque part que l'école n'est pas bien. Il n'est pas mentionné ça depuis que je fais ce live. Il est bien dit ceci. On ne doit pas jubiler quand son enfant sort de la maison, que ce soit l'enfant, que ce soit le mari, que ce soit la femme. Quand tu traverses la porte de chez toi, tu ne sais pas ce qui va se passer là-dedans. Tu t'en vas vers l'inconnu. Et pour ça, ceux qui sont restés à la maison, ceux que tu as laissés là, doivent se soucier. Que tu reviennes sain et sauf. Et pour les enfants, c'est plus dangereux parce que quand ils reviennent, les mentalités, tu ne sais pas ce qu'on leur a appris. Et je suis en train d'expliquer en disant que je suis allée à l'école de l'enfant. J'ai trouvé, les classes étaient colorées. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de te dire? De dire, pardon. Les classes étaient colorées en couleur. Imaginez-vous. En couleur. Et sur chaque mur, il y avait un drapeau. Un drapeau qui signe la non-discrimination. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Le drapeau, non. Sur le drapeau, il y avait la non-discrimination. Vous connaissez le drapeau, vous connaissez les affiches, la non-discrimination, non? Dans un endroit où on a tout décoré en coloré, non? C'est-à-dire rainbow. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je ne vais pas prononcer les mots un genre. Pour qu'on vienne dire que, oh, elle est un genre. Qu'elle discrimine. Non. C'est-à-dire, si Kof
Tu comprends ce que je suis en train de dire parce que tu ne comprends pas ce que je suis en train d'expliquer. Tu vas pleurer. J'ai reçu une vidéo dernièrement où un parent blanc, il faut que je le précise ici, est allé à une librairie se plaindre des livres qu'on a donnés à son enfant. Parce que je ne sais pas si j'ai la vidéo là, je vais la poster après le live. Mais je ne sais pas si ça va marcher parce que ma page est certifiée et on n'accepte pas que je poste les trucs des gens là-dessus. Donc, dans cette vidéo, la maman se plaint que son enfant est au kinder. Vous savez ce que c'est que le kinder? La maternelle. À la maternelle, on a fait un livre d'illustration. Dans ce livre d'illustration, on montre un homme et un homme couché au lit, une femme et une femme couchée au lit, un homme en train de faire la pipe à un homme. Voilà, je ne vais pas trop entrer dans les détails. Je parle bien de kinder. De kinder. Et le parent se plaignait. Kof, j'espère que tu comprends ce que je suis en train de te dire. Quand ton enfant traverse la porte de ta maison, il s'en va vers l'inconnu. On ne devrait pas jubiler que ce soit la rentrée scolaire pour que les enfants sortent de la maison, libèrent les parents. Qu'est-ce que tu fais quand les enfants ne sont pas là? On ne devrait pas jubiler. La plus belle sécurité qu'on puisse avoir, c'est d'avoir son enfant auprès de soi. Kof, peut-être tu n'es pas au courant. Est-ce que tu sais qu'il y a des parents qui enseignent leurs enfants? Et ces enfants-là sont généralement les meilleurs. Ils étaient les meilleurs. Donc, on les cite parmi les meilleurs des pays. Je dis, un parent, son travail en plein temps, c'est d'enseigner son enfant. Et généralement, ces enfants-là sont des génies. Ces enfants, ces gens-là ne veulent plus les enfants, ou bien c'est comment? Même pas qu'ils ne veulent plus les, ils ne veulent plus les enfants. Ils veulent bien les enfants, mais ils veulent les enfants à leur façon. Tu comprends ce que je dis? Ils veulent les enfants à leur façon. Je vous assure, j'étais sidérée. Le mur de la classe de l'enfant coloré. Je vous assure, je ne sais pas s'il m'est permis de poster ce genre d'image. Sinon, je vais poster ça tout à l'heure. Je ne vais rien écrire dessus, mais je vais poster, vous allez voir. Les murs sont colorés. Et sur chaque mur, il y a les affiches de non-discrimination. Quand je vais vous envoyer l'affiche là tout à l'heure, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. J'étais choquée. J'avais encore plus mal. J'avais encore plus mal parce que quand il a eu rentré chez nous au pays, j'ai vu les parents faire les lives pour dire, monter sur TikTok, comment on fait? Parce qu'on a dit, on fait le challenge de la rentrée. On est fiers. Dès que les enfants sortent, on jubile. Vous jubilez quoi? Vous jubilez quoi? Vous savez que l'enfant s'en va où? Et ce qui me tue dans cette histoire, c'est que la majorité de ces parents qui jubilent aujourd'hui vont aller frapper sur les enseignants qui restent avec leurs enfants plus de la moitié de la journée. Je dis bien, la majorité de ces parents, c'est eux qu'on va voir en pleine année scolaire, cette année-ci, aller taper sur les enfants, les parents, les enseignants à l'école. C'est-à-dire, tu envoies ton enfant vers quelqu'un que tu ne connais pas. C'est très beau, les enseignants sont là. Beaucoup ont la vocation, d'autres n'en ont pas. Et c'est ça alors un autre problème. On embrasse les métiers par imitation ou bien par recherche des gains quotidiens. On n'a aucune vocation et c'est des métiers qu'on ne doit pas faire sans vocation. Il y a l'enseignement, il y a la médecine. Surtout l'enseignement et la médecine. C'est des choses qu'on ne doit pas faire sans vocation. Et beaucoup, ils sont sans vocation. Voilà. Ils sont déjà là sans vocation. On dit, battons-nous pour améliorer nos conditions de vie pour que ce genre de situation ne se reproduise pas. Nous sommes dans la distraction. Nous sommes dans la distraction. Oui, nous sommes dans la distraction. On se plaît là-dedans. On se plaît là-dedans. Il y a des choses que quand ça doit se passer normalement, dans un endroit où on est en train de réclamer certaines choses, ça passe, ça glisse comme l'eau sur les plumes de canard. C'est-à-dire, on reste indifférent à ça. Parce que ce n'est pas de ça qu'on a besoin. Parce que ça ne sauve rien, ni personne, ni du délestage, ni de manque de quoi manger, ni de rien. Il faut qu'on essaie de se réveiller. J'ai envie de voir ce niveau de réveil, d'éveil de conscience là en nous. J'ai envie de voir ça. Ce niveau d'éveil de conscience en nous, j'ai envie de voir ça.
Est-ce que on peut essayer de se réveiller, comme je le dis souvent, d'allumer nos cerveaux? C'est les enfants des gens qu'ils veulent à la façon. J'ai pas trop compris ce que tu veux dire. J'ai envie de voir ce niveau de conscience. J'ai envie de voir cela. Ce serait très important, vous voyez, parce que on se pose la question de savoir. Bon, je ne sais pas si je suis la seule à me poser la question de savoir quel est l'avenir qu'on prévoit pour nos enfants. Quel est l'avenir? Un parent, maman, tu as fait le live TikTok. Tu as fait TikTok pour montrer comment tu es fier, comment tes enfants vont à l'école. Quand les enfants traversent la porte, tu fermes la porte, tu prends la télécommande, tu t'assois, tu dis enfin, enfin, enfin. Une maman consciente doit être fière de voir son enfant sortir, même si c'est pour l'école que tu sais que c'est pour son bien. Un maman, tu dois prier. Prier pour l'enfant. Quand tu sors, il doit voir sur ton visage l'inquiétude pour savoir qu'il doit être prudent où il va. Mais si tu es en train de faire TikTok où tes propres enfants regardent, ce qui est curieux et que ce qui est énervant et curieux dans tout ça, c'est que nos enfants regardent ces TikTok. Nos enfants regardent ces TikTok. Donc, c'est-à-dire, l'enfant qui sort en te voyant faire ce genre de choses ou en te voyant te débarrasser de lui, quand il arrive dehors, tout ce qu'il vient, il prend, mon ami. Parce que de toute façon, maman est libérée quand il n'est pas là. Vous vous imaginez ce que ça fait? Est-ce que vous calculez, vous mesurez l'ampleur des actes que vous posez? Je me pose la question de savoir. Est-ce que vous mesurez l'ampleur des actes que vous posez? Moi, ça me dépasse. Je suis like, waouh. Tu ne dois pas être fière de voir ton enfant sortir, même si c'est pour l'école, pour son bien. Parce que la seule sécurité qu'un enfant puisse avoir, c'est auprès de ses parents. L'enfant s'en va vers l'inconnu. Comme je vous le disais tantôt, c'est la raison pour laquelle les parents se retrouvent en train de lever la main sur les enseignants à l'école. Et tu es fière quand même à la rentrée. Tu montres que tu es très fière. C'est pas beau. C'est pas bien. It's not good. Ce n'est pas bien. C'est-à-dire, l'enfant se sent libre. Il se sent rejeté, en fait. Pour lui, c'est que si mon parent jubile quand je sors pour aller à l'école, c'est un bon débarras. Donc, ça veut dire que je peux faire ce que je veux. Non, ce n'est pas comme ça, maman. Réveillez-vous. Quand ton enfant va à l'école le matin, fais-lui une prière, une invocation, je ne sais pas à qui tu pries, fais-le. Et quand l'enfant sort, regarde le parti, qu'il sente que mon parent, quand il me laisse partir, il est inquiet, il aimerait que je rentre complet, un élève complet. Ne les envoyez plus comme ça. Ne les montrez plus que vous vous débarrassez. J'étais choquée par ce challenge. J'étais choquée. Et c'est pour ça que je vous dis, Africains, ne copiez plus la culture des autres. Copiez la stratégie et adaptez-la à votre culture. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Merci, Africa Bantu, pour les étoiles. Merci. Ne copiez plus la culture des autres. Copiez la stratégie qu'ils utilisent pour l'adapter à votre culture. Arrêtez, chers parents. Arrêtez. Demain, l'enfant te dira, mais maman, quand je sortais de la maison pour aller à l'école il y a cela 6 ans, tu avais fait un TikTok. Voilà, ça, et ça va rester. Hein. Ce genre de choses reste à jamais. Est-ce que vous vous rendez compte que tout ce que vous faites sur la toile reste à jamais? Si je poste quelque chose là en 2 minutes, les gens l'ont déjà téléchargé. Même si je l'efface, beaucoup l'ont téléchargé. Et demain, on sortira, on dira, mais voilà ce que tu disais hier, voilà ce que tu faisais hier, qu'est-ce que tu deviens aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? C'est grave. C'est grave. Il faut qu'on essaye de réfléchir un peu, de sortir de la distraction. C'est ça mon véritable problème. Sortez de la distraction. Vivez vos réalités. Vivez vos réalités et vous allez arrêter avec le Njangsan, vous allez arrêter avec la, je ne sais pas trop quoi citer quoi. Parce que une autre chose qui me fait mal dans cette vie, c'est de voir nos sœurs
remplie de belles mélanines sur elle, se dénaturer. Je vais entrer comme ça dans un autre sujet. Mes chères sœurs, excusez-moi, hein, vous allez me détester, je le sais, c'est pas aujourd'hui. C'est pas demain que vous allez arrêter de le faire. Je dis qu'à maman, quand tu t'assois, Marco, tu prends les produits pour enlever ta couleur. Tu penses que tu es stable dans ta tête là? Tu penses que ça va bien dans ta tête? Excusez-moi, hein, je suis... Quand ça me dérange, ça me dérange. Mes chers frères, pardon, aidez nos sœurs là. Aidez vos femmes, vos épouses et tous vos enfants, vos filles à s'aimer. N'appréciez plus ce qui est faux. N'appréciez plus ce qui est faux. Ne mentez plus à vos soeurs, à vos filles, à vos femmes. Ne leur mentez plus. Dites-leur, tu t'es dénaturé, c'est pas comme ça que je t'ai connu. Dites-leur, tu es devenu autre chose, c'est pas comme ça que je t'ai connu. Apprenez-leur à s'aimer telles qu'elles sont. Qu'est-ce qu'il y a d'être fait partout? Pourquoi? À l'époque, je me rappelle à l'époque, les Ivoiriens chantaient « Appareil photo fait pas magie ». Mais aujourd'hui, appareil photo fait magie. Moi, parfois, j'utilise la caméra de mon téléphone, je suis épatée par ce qui en sort. Je suis choquée. Je suis choquée parfois. Je me dis « Mais pourquoi ça me fait devenir comme ça ?» Il est vrai, on a mis ces options-là, mais on pouvait m'utiliser ces options pour les réseaux sociaux, juste pour le buzz, juste pour bluffer. Mais en réalité, on doit rester nous, en fait. En réalité, on doit rester nous. Quand je dis rester nous, bon, les gens vont dire, ben Cathy, tu sais que les filles utilisent ça pour nous bluffer et puis elles viennent, elles sont autre chose. Oui, justement. Tant que tu n'as pas rencontré quelqu'un en face, tu ne pourras pas savoir qui c'est. Tu ne pourras pas. Le virtuel, c'est le virtuel. Le réel, c'est le réel. Apprenez à vos filles à s'aimer. Mon problème, c'est surtout au niveau des filles. Je sais que les garçons, ils viennent déjà. Surtout quand on nous brandit les colorés. Les colorés dans les classes des enfants. Je vous dis, j'étais choquée. Je suis entrée dans la classe de mon fils. Je regarde au mur, mes amis. C'était coloré. Coloré. Je m'imagine, comment est-ce qu'un garçon vit dans ce milieu? Moi, pour moi, ma qualité d'homme, en fait, je vais le dire, hein, ma façon d'apprécier, la façon dont j'apprécie un homme. Un homme, c'est celui-là qui est lui, en fait. Qui est lui, naturel. Il a le temps pour travailler, pour sa famille, pour réfléchir, pour construire sa vie, pour investir. Et la femme est derrière pour prendre soin de lui, quoi, l'entretenir. Mais imaginez-vous un enfant est dans un milieu coloré, un garçon. Attendez, il va commencer à se mettre des glosses aux lèvres. Il va commencer à vérifier si ses cils sont tracés, ses cils sont tracés ou quoi que ce soit. On va voir une maman sauvage comme moi, s'il a le jacques, elle est comme elle est là, comme ça là. Tu es à la maison avec un garçon, il trace les cils. Attendez. Non, j'étais choquée. J'étais mal en point. J'étais mal à l'aise. J'étais mal à l'aise. J'étais mal à l'aise de voir ça. Il complète ça avec des affiches. Des affiches de non-discrimination. Quand je parle d'affiches de non-discrimination, ouvrez bien vos cerveaux pour comprendre de quoi je parlais. Ils affichent des affiches de non-discrimination. En plus des couleurs. Vous voyez, un garçon qui doit être dans du viril, du blanc, du bleu, pas de rose, pas de jaune, les trucs, il est dans du coloré, du rose, du violet, du je sais pas quoi, du jaune vif. Attendez, avec ça, son mental sera efféminé. C'est pas ça l'Africain. C'est pas ça l'homme. Hein? Et c'est pour ça que je dis, vous devez vous inquiéter quand vos enfants sont de la maison. Tu es là, Kof. J'espère que tu es là en train d'écouter ce que je suis en train de dire. Quand tu disais tout à l'heure, est-ce que les enfants ne vont plus aller à l'école? Non, je n'ai pas dit que les enfants ne vont plus aller à l'école. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit, parents, vous devez être inquiets et être très regardant quand vos enfants sortent de la maison. Quand ils reviennent, il faut vérifier, il faut contrôler tout. Parce que sinon, nous n'aurons plus que des larmes pour pleurer. Ce monde aura raison de nous. Il ne faut pas.
Il ne le faut pas parce que Dieu nous a créés. Il nous a dit, voilà la terre, soumettez-la. Là, voilà à vos pieds. Vous comprenez? Il ne faut pas qu'on laisse une poignée de personnes contrôler nos vies, notre avenir, l'avenir de nos enfants. Tracy Royal, tu dis l'heure est grave. Maman, l'heure est grave. Je dis l'heure est grave. Quand je suis en train de parler, je me dis, nous devons tous parler, même si ce n'est pas écrit, même si ce n'est pas vidéo, quoi que ce soit. Je pense que c'est comme ça que si jamais je pouvais me retrouver sur TikTok, ça ne m'intéresse pas trop. Je pense que je frapperai fort là-bas. Il faut qu'on fasse très attention. Je vous assure, j'étais choquée. J'étais choquée. Moi qui à la maison, tu essayes de donner les conseils que tu peux. Maman, tu arrives à l'école, tu vois un enseignant, mademoiselle. Mademoiselle. Hmm? Il embrasse ton fils comme ça, là, il fait des trucs. Hey, maman, j'étais like, really? Je lui ai demandé, c'est un de tes enseignants? Oui. J'étais like, wow. Vous voyez pourquoi on doit s'inquiéter quand ils sortent? Ils s'en vont vers l'inconnu. Ils s'en vont vers l'inconnu. Merci d'avoir compris, Kof. Tu as finalement compris. Il faut qu'on tire vraiment les oreilles des enfants. Et c'est ce que je disais dernièrement dans mon live. À chaque fois que nous pouvons, parlons à nos enfants. Nous nous rappelons, quand nos mamans criaient sur nous, on se fâchait. Mais aujourd'hui, on se rappelle de ce qu'elles nous disaient. Et c'est ça qui nous aide à sortir de beaucoup de situations. Fantôme Tarzan dit, mamie, je ne suis pas d'accord sur ce point. Les couleurs et les goûts ne se discutent pas. Moi, je suis un homme qui aime les couleurs vives. Oui. Oui, tu es un homme qui aime les couleurs vives. Mais je te parle d'un contexte. Écoute bien. Tu es un homme qui aime les couleurs vives. C'est pour toi. Il peut y avoir des hommes qui aiment les couleurs vives. Mais nous, moi, nous, les mamans africaines, que ce soit africaines ou pas, nous savons que les hommes aiment les choses vives. La couleur vive, ce n'est pas pour les hommes. Bon, ça peut être pour certains hommes qui aiment les couleurs vives, comme tu le dis. Mais en général, l'homme, la virilité, ce n'est pas le vif jaune, le rose. Non, non, dans ces dates. Non. Tu ne vas pas me dire que tu portes du rose sur toi pour marcher dans la rue avec. Tu ne vas pas me dire ça. Hmm? Je suis en train de parler de quelque chose qui fait mal. Peut-être que tu ne comprends pas l'ampleur de la chose. Tes enfants, Thomas. Tu ne comprends pas. Je suis en train de te dire. Ce n'est pas caché. Hein. C'est parce que je ne vais pas donner les détails. Je te dis bien. Les classes sont colorées en rainbow. Tu sais ce que veut dire rainbow? Tu sais le symbole de rainbow de nos jours? Peut-être que tu ne sais pas. Essaye de chercher tout à l'heure. C'est-à-dire, les classes sont rainbow. Et en plus de ça, il y a les affiches avec les logos rainbow. Que ce soit trans, que ce soit l'autre, que ce soit... Je ne sais pas si vous comprenez, je ne vais pas appeler. Je ne veux pas que ma page soit suspendue. Surtout que Facebook m'a gratifié d'une certification. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont gratifié de ça. Et je me dis, bon, même si je n'utilise pas trop ma page, que ça reste là comme ça. Hmm? Ouvrez vos oreilles. Ouvrez vos oreilles. Je vous dis tout à l'heure, je vais essayer de poster la vidéo. Mais je ne suis pas sûre que ça va rester sur ma page. Parce qu'ils m'interdisent carrément de poster les contenus des autres, sauf si je partage. Or, cette vidéo, je veux la poster pour que vous puissiez comprendre de quoi je parle. Je suis en train de dire, une maman qui allait quelque part, elle se plaignait des livres qu'on a donnés à son enfant de Kinder. Kinder, c'est la maternelle. Dans ce livre, on montrait deux hommes couchés ensemble, sous un même lit, deux femmes. Deux hommes qui se font la pipe. Hmm? S'il te plaît, ne mets pas les thèmes comme ça sur mon live. Ils vont venir croire, essayer de me confondre, s'il te plaît. Moi, j'aime bien le... Tu vois, il faut enlever ça, pardon. Le commentaire où tu as écrit le machin, là, le logo, là, je ne veux pas ça. Je sais que tu comprends. J'espère que tu comprends. Je ne me soucie pas de toi ou de moi. Je me soucie des enfants. Je me soucie de notre progéniture. Je me soucie de ceux-là qui vont nous représenter valablement demain. Il n'y a pas plus beau que de voir toute une dynastie comme ça là,
survivre au long des siècles. Merci d'avoir supprimé le commentaire. Vraiment, merci beaucoup. Je vous dis ceci. Il n'y a pas plus beau de voir toute une génération, toute une, je ne sais pas comment, la généalogie, d'une généalogie aussi grande, je ne sais pas comment on appelle ça. C'est-à-dire, tu mets un enfant au monde qui fait ta fierté, qui fait la fierté de ses enfants, la fierté de ses petits-fils. Eux, ils font aussi la fierté, donc ça continue. Il n'y a pas plus beau que ça. Imaginez-vous, quand ils nous auront retiré cela, qu'est-ce qu'on va devenir? Même dans nos tombes, nous n'allons pas reposer. Même dans la tombe, nous n'allons pas reposer. We gotta wake up. We gotta do something. On doit faire quelque chose. J'en parlais dernièrement avec certains de mes collègues et une qui me disait, ça fait pas 3 mois qu'il y a un de ses camarades qui a déménagé et rentré chez eux au Togo avec ses enfants parce que son enfant l'a ramené un cours qu'ils ont fait en classe parce qu'il a l'habitude de contrôler tout ce que l'enfant fait. Et il a demandé à l'enfant, qu'est-ce que vous avez pris en classe aujourd'hui? Quand l'enfant l'a expliqué ce qu'ils ont appris, le gars a dit, vous savez quoi? Ma maison au Togo. Chez nous, là, on ne connaît pas encore ça. Même si on le fait, c'est en cachette. C'est encore mieux que je rentre. Il est rentré. Ils sont rentrés. La famille est rentrée en Afrique. Parce qu'il était... Il n'arrive pas à comprendre, à supporter. Oui, mais justement, coffre. Quand ces couleurs-là sont là, attends, ils ne mettent pas ça en désordre. Ce n'est pas en désordre, je vous assure. Si ça, j'essaie de me renseigner tout à l'heure sur Google, si ça peut passer sur ma page, je vais mettre. Mais quand je vais mettre là, ils vont me confondre, ils vont croire que je suis en train de faire leur pub. Parce que généralement, c'est comme ça. Donc, ils ne mettent pas ça en désordre. Ils réfléchissent, ils savent bien ce qu'ils sont en train de faire. Attends, nous sommes allés à l'école, non? Nous avons connu les classes avant, non? Que ce soit même chez nous, que ce soit ailleurs, que ce soit à l'étranger. C'était pas comme ça. Je vous assure, la classe est colorée. Moi, je me rappelle à notre époque, où, avant cette époque-ci, dans les classes, on écrivait en bleu ou en noir ou en bleu. Ou je suis en train de me tromper. Au tableau, on pouvait mettre du rouge. Le programme de l'enseignant, il écrivait en rouge et il mettait le bleu ou le noir. Après, il y avait les trois couleurs, le bleu, le noir et le rouge. Je dis bien le bleu, le noir et le rouge. Moi, c'est ces couleurs-là que j'ai vues jusqu'à aujourd'hui. Il y a du rose. Il y a du vert. Et je ne parle pas des foncés. Vif. Vif. Et vous connaissez pour les trans. Pour les trans, c'est un peu comme si c'était délavé comme ça, mais c'est toujours les mêmes couleurs. C'est bleu, blanc. J'ai vu tout ça là-bas. Il dit bien, tout est... Tous les signes, donc même si on met seulement les couleurs, en bas là, on écrit à qui ça appartient. Parce qu'il y a ceux qui changent leur truc, il y a ceux qui restent avec leur truc, mais qui veulent être de l'autre côté. Il est tout inscrit. Vous imaginez que l'enfant passe toute la journée à lire ça, à voir ça là. Si à la maison, tu ne le tiens pas, tu ne vas pas t'en sortir avec. Tu ne vas pas t'en sortir avec. J'ai la vidéo. Je verrai bien si je vais la poster. Je peux la poster. Hein? Ah, Camer Révolution. Non, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Je me suis rendu compte que beaucoup d'adultes chez nous sont devenus pire que les enfants. Ils sont devenus plus que des enfants. C'est-à-dire, il faut leur parler. Il faut parler et reparler et reparler. Comme ça, quand la chose va venir, ils vont se rappeler, oh tiens, ou bien... À force de parler, certains vont dire, mais peut-être quelque part, il a raison, ils vont commencer à réfléchir. À force de parler, ils vont allumer leur cerveau. Parce que mon problème, c'est ça. Open it. Turn it on. Turn it on. You gotta turn it on. C'est pas aussi difficile que ça. Pensons à nous. Chez nous, c'était le blanc et rouge. Les couleurs de l'école, blanc et rouge. Tu parles de l'école, Brady, tu parles de l'école, les couleurs de l'école. Bon, salut Mireille Josiane. Moi, je suis, en fait,
J'ai été choquée en fait. C'est juste que après, dès que la rentrée est passée, on a commencé à vouloir nous introduire dans la distraction. Je me suis dit, ok, je laisse passer la distraction et après la distraction, je pense que après tout, on revient sur terre. Hein? Maman, arrêtez. Je vous le redis, pardon. Je demande pardon. Please. Copions tout ce qu'on peut copier, mais pas la culture des autres. Prenons leur stratégie, copions leur stratégie pour l'évolution, pour le réveil, pour l'amélioration et adaptons-la à notre culture. Je vous en prie. Je vous en prie. Please, please, please. Il y a des gens qui ont l'habitude de se consoler. Ils disent que le blanc va devenir noir. Le noir va devenir blanc. C'est faux. Se bronzer ne veut pas dire qu'on veut devenir noir. Non, ma chérie, il faut t'aimer. Aimez-vous. Aimez-vous. Pardon. Pour moi, je me dis que quand tu es un fils, quand il a déjà un certain âge, il faut lui dire, tu attends son enfant. Ah oh, ouais, c'est, j'essaie de te comprendre. Je sais que le français, toi, c'est pas trop ça. J'essaie de te comprendre. Oui, c'est vrai. Quand tu as un fils, on se dit que c'est une stratégie. Je pense que Mireille Josiane en sait quelque chose. Quand à un certain âge, quand l'enfant a un certain âge, il faut l'amener à comprendre que tu aimerais qu'il construise une famille, qu'il ait une famille. Je pense que c'est ça. C'est en fait ça. Promouvoir la famille. Et je pense que c'est ça le combat de Poutine. Et c'est ça, en fait, son problème avec les autres. Il prône la famille. Il prône les valeurs de la famille. L'homme, la femme et les enfants. Et c'est ça qu'on combat. Et c'est ça qu'on est en train de dire à nos enfants. Est-ce que vous savez que il y a une loi qui est sortie là dernièrement qui dit que quand l'enfant a 13 ans, s'il veut changer son... Tu refuses, on t'amène en prison. Tu vas aller au tribunal. Et quand tu pars au tribunal, là, c'est pourquoi on le prenait. Donc, quand l'enfant a 13 ans, virgule, il veut changer son... Tu refuses. Tu t'en vas en prison. Et quand tu... Non, au tribunal. Quand tu pars au tribunal, là, on te juge pour le prendre. Et aller le mettre dans une famille où on l'accepte avec son truc changé. Hein? C'est terrible. Et vous vous imaginez, on va vivre ça. Et on enseigne ça à nos enfants à l'école. Est-ce que vous savez ça? On les enseigne ça. On leur dit que si tu veux changer ton père ou ta mère refuse, viens nous dire. Directement, on appelle le service des enfants. On dit que voici un enfant qui veut changer sa mère refuse. On t'envoie la convocation. Et comme on t'envoie la convocation, on prépare déjà une famille où on va le prendre pour aller le déposer. Et tu perds ton enfant. Est-ce que vous savez? Est-ce que vous le savez? C'est pour ça que je dis, on doit pleurer. Nous devons être inquiets quand nos enfants traversent la porte de la maison. Parce que ce qu'on les apprend là dehors, tu ne peux pas connaître. Mais les lois là sont là. Donc quand un enfant a 13 ans, il veut changer son truc, tu refuses. Il s'en va dire à l'école, puisqu'à l'école on leur dit ça. Et l'école t'appelle, on appelle le service des enfants. On t'enlève l'enfant. On peut le placer dans une famille où on l'accepte avec son truc changé. C'est la loi. Rien à faire. Je parle de 13 ans. Hein? Je parle de 13 ans quand je vois les parents qui jubilent parce que les enfants ne sont pas là à l'école. Ils ne savent pas. L'enfant va vers l'inconnu, mon frère. L'enfant s'en va vers l'inconnu. C'est pour ça que beaucoup de parents ici choisir depuis un certain temps d'éduquer leurs enfants, d'enseigner leurs enfants à la maison. C'est-à-dire, elle quitte son boulot. Elle devient plein temps enseignant pour ses enfants à la maison. Et je vous assure, ces enfants-là sont des grands génies. Des grands génies, je vous assure. Tous les exemples sont là. Essayons de nous réveiller. Réveillons-nous avant qu'il ne soit tard, je vous en prie. Allumons nos cerveaux. Allumons nos cerveaux pour ne pas avoir les larmes à la dernière minute, rien que les larmes pour pleurer. La réussite de nos enfants, c'est notre réussite.
Le bonheur de ses enfants, c'est notre bonheur. Il fallait que je vous parle de ça. Parce que j'ai eu mal. J'étais mal à l'aise. Donc, c'est-à-dire, quand tu vois des trucs comme ça, c'est comme si ton corps veut sortir. Je ne sais pas comment... Je parle de ça, comme on dit souvent en patois. Oh, mon frère, non, c'est terrible. Mon ami. Oh, les Jésus, oh non, 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 non. Pour que tu deviennes quoi? Pour que ça devienne quoi? Bon, le salope pendant que ça va pas ça. Il faut qu'on se réveille. Vraiment, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. L'enfant lui dit, vous voyez les enfants en train de causer entre eux. L'autre dit que quand j'aurai 13 ans, j'aurai le choix de prendre ce que, de devenir ce que je veux être. L'autre dit, quand j'aurai 16 ans, je vais commencer à travailler. Je vais chercher mon argent pour acheter ma Tesla. Quand j'aurai tel âge, j'aurai ceci, je pourrai faire ceci. Papa ne pourra plus me parler, maman ne pourra plus me parler. Vous devez écouter vos enfants quand ils sont ensemble. Écoutez-les très bien. Chers parents, vous qui allez aux fêtes chez vos amis souvent ici, quand vous allez là-bas, vous, je sais que c'est les seules occasions où les enfants se retrouvent nombreux et que vous pouvez avoir le temps de les écouter parce que dès qu'elle, vous n'êtes jamais là. Prenez le temps parfois d'aller les surprendre où ils sont assis nombreux en train de causer. Vous allez entendre des choses terribles. J'aime suivre l'enfant, j'aime la psychologie de l'enfant, j'aime comprendre l'enfant. C'est un mystère. C'est terrible. Vous ne pouvez pas comprendre. Réveillons-nous avant qu'il ne soit trop tard. Je vous en prie, chers parents, réveillons-nous. Quand ce monde sera en train de reculer en certains moments, nous serons en train d'avancer. Si nous avons fait des bons choix, si nous avons fait des bonnes choses. Sinon, vraiment, on sera perdu. Et c'est comme si on était venu sur Terre pour rien. Est-ce que nous sommes venus sur Terre pour rien? Non, je ne pense pas. Moi, j'aimerais avoir des enfants, une progéniture aussi grande. Je ne sais pas, avoir des enfants qui marqueront à vie le monde. Je ne sais pas comment dire ça. Je pense que nous tous, nous devons penser comme ça, en fait. Nous devons marquer la vie, en fait. Je vous en prie, réveillez-vous. Faites quelque chose. Sauvons nos enfants. Sauvons nos enfants. Sauvons les enfants, vraiment. C'est grave. C'est grave. Apprenons à nos filles à peler la banane, à plucher la banane. Les histoires d'ongles, là, ça ne nous ressemble pas. Maman. Oui. Oui. What? What? What thing? What are you talking about? Can you bring me that thing? Can I see it? Can I see it? This one. Okay. You can hear it. Mm-hmm. Désolé, hein. Désolé. Avec que c'est comme ça. Il faut être attentif. Sinon, on va dire que tu ne prends pas soin d'eux. Ils vont se sentir seuls, quoi. Comme je le disais tantôt, vraiment, il faut qu'on essaye de prendre les choses en main. L'enfant va te dire, maman, je vais placer les ongles, parce qu'il te voit placer les ongles. Pour un enfant qui n'a jamais vu sa mère placer les griffes de Pantin d'Halloween, il ne va jamais demander ça à son parent. Si l'enfant te dit, je vais faire les mains comme je veux, c'est parce qu'il te voit faire. L'enfant fait ce qu'il voit. Vous comprenez? C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas un miracle, ce n'est pas une invention. L'enfant fait ce qu'il voit. Les ongles comme les pantins d'Halloween. Elle va laver son slip comment? Elle va faire sa demi-toilette comment? Elle va se laver le visage comment? Et c'est justement parce que vous laissez vos filles mettre les ongles des pantins d'Halloween, les parasols aux yeux, qu'elles n'arrivent pas à se nettoyer le visage. Elles sont obligées d'aller acheter les produits, soi-disant, qui vont nettoyer le visage et qui ça va enlever toute leur mélanine. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Est-ce que vous savez ça?
Est-ce que vous savez que c'est parce que vos filles n'arrivent pas à se laver normalement à cause de tout ce qui les empêche de se laver normalement qu'elles se retrouvent en train d'acheter les huiles, les ci, les ça pour aller enlever toute leur peau, gratter leur peau et devenir autre chose? Chers parents, est-ce que vous pensez souvent que demain, vos enfants là seront soumis à la césarienne ou quoi que ce soit avec le monde qui est devenu un jar et que leur corps ne pourra pas tenir? Parce qu'ils ont, le corps a perdu l'élasticité, parce que le corps est devenu je ne sais pas quoi. Vous imaginez ce qu'elles prennent pour devenir je ne sais pas quoi? Et vous appréciez ça comment? Comment est-ce que vous appréciez cela? Parce qu'il y a des gens qui vont venir me dire ici que non, je n'ai pas fait le genre ça, mais ma fille fait, ce n'est pas de ma faute, machin. Non, 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 c'est de ta faute. It's your fault. Parce que moi, ce que je sais que ma mère n'aime pas, je ne fais pas. À mon âge, ce que je sais que ma mère n'aime pas, je ne fais pas. Surtout qu'elle m'explique que voilà, 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 ce que tu fais là va t'amener à t'être. Je ne fais pas. Je ne fais pas. L'enfant ne peut pas éplucher la banane, maman. Qui va préparer le topsi banane pour ton fils? Le topsi ton que toi tu préparais chez toi, ou peut-être deux fois par semaine. Un garçon sort de chez toi, il s'en va se marier. La fille ne peut pas faire le topsi tombe une fois par semaine parce qu'elle ne connaît pas éplucher la banane. Quand le mariage a fini, tu vas dire que oh, le monde est vide, les femmes sont devenues. Non, c'est vous. C'est de votre faute, chers parents. L'enfant ne pourra pas piler le tarot parce que tu ne l'as pas appris à piler le tarot. Tu ne le faisais peut-être pas pour ton mari, ou bien quand tu faisais, tu étais fière de savoir que non, ta fille assise au salon, ou elle porte les mini, je vais s'en va se balader partout, partout. Demain, elle ne peut pas tenir un foyer. C'est justement pour ça qu'on doit se battre. On doit se battre pour essayer de reformer la famille. Reformer la famille n'est pas seulement se battre pour dire que okay, l'homme et la femme vont se marier et faire des enfants. Non. L'homme doit assumer son rôle, la femme doit assumer son rôle. Comme tu faisais pour tenir ton mari, tu dois prendre la même chose à ta fille. Hein? On va voir des filles de 30 ans qui s'en vont apprendre à cuisiner sur YouTube. On va voir des enfants qui... Je comprends qu'on puisse apprendre à cuisiner les mets d'ailleurs sur YouTube. Mais pas les mets de chez nous. C'est ça mon problème. On peut apprendre à cuisiner les mets d'ailleurs sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Mais pas les mets de chez nous. Je n'arrête jamais de parler du mot malédiction, des actes que nous commettons. Exactement, exactement, Thomas. Exactement, exactement. Je dis bien encore, ne confondez pas ce que je suis en train de dire, ne déformez pas. Je dis bien ceci. On peut apprendre à cuisiner les mets d'ailleurs sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Mais les mets de chez nous, c'est inadmissible, c'est inacceptable. C'est pour ça que moi, pour faire ma barrière, mon fils va piler le tarot. Mon fils va malaxer sa banane. Mon fils va piler sa patate. Je ne sais pas trop quoi. Il va râper sa patate pour faire son kukunjo. Il va faire tout. Parce qu'il ne faut pas qu'il se retrouve demain quelque part où il ne pourra pas manger ce que sa mère lui faisait. Il va tomber dans les bras de je sais quoi. Et puis regretter toute sa vie. D'ailleurs, moi, je ne fais que ce que nos parents ont fait. Mes parents apprenaient à mes frères, mes cousins à faire la cuisine comme à nous les filles. Parce qu'on ne sait jamais ce que la vie nous prévoit. La vie prévoit. Je ne sais pas comment dire ça. L'éducation de l'enfant. Yeah, il faut l'éducation du père et de la mère. Bon, mais généralement, c'est la mère qui est toujours là. Généralement, le père n'est pas là. Mais il y a des mamans qui savent bien remplir ce rôle en même temps. Donc du coup, c'est bien beau, c'est ce qu'il faut. Mais c'est ce qu'on se bat pour que ce ne soit pas, pour que ça n'arrive pas. J'ai ri dernièrement, je pense que c'est Révolution Biche qui a fait un post dernièrement où il disait, vous êtes très fiers de voir quand... Votre frère fait un enfant ou bien se marie avec une autre femme, une seconde femme, une troisième femme. Mais quand c'est vous-même, vous n'êtes pas d'accord. C'est la sorcellerie. Il faut qu'on essaie de comprendre. C'est pour ça qu'on dit dans la vie, il faut s'assumer en fait. Je me dis, hein, pour moi c'est aussi simple que ça. Ce n'est pas la magie. C'est pour ça que je dis toujours, hein, coupions
les stratégies des gens, mais gardons notre culture. C'est parce qu'on a jeté, on a abandonné notre culture qu'on se bat aujourd'hui, même pour regrouper la famille, même pour refaire une famille. Parce que nos parents n'en souffraient pas. Ils ne souffraient pas par rapport à la famille. C'était difficile de voir un enfant abandonné par son père. Il faut qu'on revienne là-dessus. Parce que les gens vont me dire que, oh, Cathy, tu es toujours avec tes idées, vieux jeux et tout. Oui, j'accepte. Nos parents ne souffraient pas de ce genre de choses. Pourquoi? Parce que l'homme qui trouvait une femme qui doit aimer la prenait en mariage. C'est aussi simple que ça. Que l'enfant ne souffre pas. Mais de nos jours, il y a des joueurs, il y a tout ce qui vient avec. Mais bon, c'est vraiment confus. Et c'est justement ça. On est venu avec les lois qui nous disent que non, le régime a fait ceci, cela a fait cela. Et c'est ça qui nous bousille la société. C'est pour ça qu'on se retrouve avec ce genre de situation où on ne peut pas contrôler. Quand tu dis le père et la mère doivent être là, que fait-on de tout ce qu'on voit là dehors? C'est nous-mêmes qui avons fiché la société en l'air. Parce qu'on veut copier la culture des autres. Il faut qu'on garde la nôtre. Il faut que les gens se réveillent, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille à un certain moment. Il faut qu'on se réveille. Il faut tout lire ce que j'ai écrit plus haut, c'est ce que Thomas dit. Comment peux-tu dire que le père n'est pas là? Il y a les samedis et les dimanches. Je ne comprends pas trop ce que tu veux dire. Kof, Thomas, je ne sais pas si je vais retrouver ton commentaire. Tu sais, généralement, pendant les lives... On peut ne pas retrouver. Hein. Comme je le disais tantôt, vraiment, il faut qu'à un certain moment, on essaie de se réveiller, qu'on essaie de réparer la société. Maman, dépose le téléphone quand tes enfants rentrent de l'école. Et occupe-toi d'eux. C'est aussi simple que ça. Pense à demain. Pense à eux quand ils seront demain. Quand ils seront grands. Pense à toi quand tu n'auras plus la force de parler parce qu'ils seront grands, ils seront plus grands. Et tu te rendras compte que je n'ai pas fait mon devoir, je n'ai pas fait ce qu'il fallait faire. Sans le téléphone, on vivait. Sans Facebook, on vivait. La vie était paisible et tranquille. Donc à un certain moment, on doit comprendre que ce n'est pas une priorité. Ce n'est pas obligé qu'on y soit. On a notre réalité qu'on doit vivre. Ça, c'est le virtuel. Vivons la réalité. Vivons la réalité. J'essaie de voir les commentaires là. Je n'arrive pas à trouver ton commentaire, hein, Thomas, comme tu l'as dit, qu'il fallait le lire depuis le haut. Mes frères et sœurs, réveillons-nous. Réveillons-nous quand il est encore temps. Réveillons-nous avant qu'on commence à nous faire des bébés dans les laboratoires. Parce que ceux-là, alors, on ne pourra pas contrôler. Vous savez pourquoi on fait les bébés dans les laboratoires? Parce que vos enfants, quand ils seront devenus entre eux, filles, filles, garçons, garçons, ils vont aller payer pour avoir les bébés faits dans les laboratoires. Et ces bébés-là seront comme des robots. On va les manipuler comme on veut. Ils prendront le couteau sur eux. Ils les écraseront. Ils feront de ce qu'ils veulent au moment où ils veulent parce qu'on les aura programmés. Tout ce qu'on fait dans les laboratoires sont programmés. J'ai fait un post dernièrement, voilà, ça me revient. J'ai fait un post dernièrement où j'étais en train de dire, vous êtes tous en train d'aimer des fruits sans pépins, sans comprendre. Les gens m'ont dit, mais Cathy, tu viens aujourd'hui avec l'histoire des fruits, il y a quoi sur les fruits? Mes frères et sœurs, trouvez-vous normal qu'un fruit n'ait pas de pépins? C'est-à-dire, une pastèque sans pépins, et vous êtes content. C'est-à-dire, je vois des gens qui s'en vont à... C'est Santa Lucia, non. Le supermarché, là, c'est quoi? Le truc que Bellariopol, là-bas, doit, là, c'est encore quoi, là? Je ne connais pas le nom. Il s'en va, là-bas. Il cherche la pastèque sans pépin. Et il en est fier. Moi, je suis choquée. Je suis choquée. Je me demande si on a deux façons de vivre dans ce monde ou on a deux mondes différents. Quand les gens se battent à vous dire jour et nuit, parce que c'est déjà des gens comme nous là qu'on n'écoute pas, à vous dire, ne consommez plus les fruits sans pépins. C'est justement ça, mes frères et sœurs. Vous savez ce que signifient les fruits sans pépins? C'est comme ces enfants-là, c'est comme nos enfants-là qui grandissent
et qui vont aller se mettre ensemble, homme, homme, femme, femme, ils ne pourront pas faire de semences. La semence, c'est quoi? C'est le pépin. La semence, c'est le pépin. C'est-à-dire, ils sont en train de vous amener au fur et à mesure à accepter cette vie-là. Ils ont commencé par les aliments. Ils ont commencé par les aliments à faire des reproductions artificielles, à vous faire les plantes dans les maisons, dans les hangars fermés, sans lumière. Ils vous ont appris à vivre dans un monde sans essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est la semence. Oh oui, merci, le grand mot. L'essentiel, c'est quoi? C'est la semence. Du coup, on nous a dit que non, vous pouvez planter votre pastèque, votre papaye dans une maison, vous l'éclairez, vous injectez les trucs dedans, ça va pousser, ça va produire. On vous a appris à vivre dans un monde sans essentiel. Ils ont commencé par les plantes, maintenant ils migrent vers les hommes. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je vous parle des choses que quand je m'assois, quand je me couche, je ferme les yeux, je vois. On migre dans un monde sans essentiel. Vous imaginez? Il nous amène là-dedans et il nous force à l'accepter. Et il touche à notre fragilité qui sont nos enfants. Réveillez-vous. Réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Un monde sans essentiel, sans essence, sans sémence. On va vous fabriquer des enfants au laboratoire. Non, ils ne vont pas se gêner. On va leur dire, non, c'est normal que tu aimes ton pote. C'est normal que tu aimes ta pote. Et parce que, ne vous inquiétez pas, on va vous faire des enfants. On va vous faire des bébés dans les laboratoires. Ne vous inquiétez pas pour ça. Vous aurez vos enfants. Vous viendrez les payer. Vous viendrez acheter les enfants. Maman. Hein, ben. Et là, je suis un homme, je suis un ouvrier, je suis un ouvrier. Moi, ça, parfois, je me dis, je regrette d'être de ces générations, en fait. Ces générations perdues. Je regrette d'être de ces générations. C'est pour ça, quand je cause souvent avec ma mère, je dis, maman, pourquoi? Pourquoi je suis née pour vivre dans ces générations? J'aurais dû naître avant pour vivre l'époque où les choses étaient vraies. Je ne me sens pas, en fait. C'est trop pour moi. C'est trop. J'ai envie de vous parler jour et nuit. De classer les thèmes et vous les développer chaque jour. Mais beaucoup d'héros ne sont pas là. Écoutez, c'est du genre... On veut la distraction. Ils ne sont intéressés que par la distraction. Par les choses qui les enivrent. On appelle ça, on dit enivré, non? Comme quand tu as bu, tu as festoyé, tu es dans tous tes états. Des choses qui les saoulent, en fait. Ce n'est qu'à ça que beaucoup pensent. Mais moi, je pense que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Si on veut vivre... Si on veut continuer à vivre sur cette terre, dans ce monde infini, nous devons avoir des bases. Nous devons protéger la sémence. La sémence, cette sémence-là, qu'on nous l'enlève. Arrêtez de manger les pastèques sans pépins. Arrêtez de sucer les mangues sans noyau. Arrêtez de manger les plantains sans graines dedans. Parce que même le plantain, la sémence du plantain est dans le plantain, les graines. Arrêtez de manger des fruits non mûrs. Il y a des gens, leur plus grand espoir, c'est de cueillir les fruits non mûrs. J'espère que ceux qui sont là comprennent. D'ailleurs, je l'ai chanté dans un de mes titres, L'Ingraphie, où je disais, Dieu, sauve-nous de la main de ceux qui cueillent les fruits non mûrs. Je parlais de quelque chose d'un peu plus compliqué, parce que ça, c'était à l'époque. Comme j'ai l'habitude, je l'explique souvent, à l'époque où il y avait beaucoup de crimes rituels à l'Ouest, et que, bon, voilà, c'est une histoire longue, en fait. Les gens qui créent les fruits non mûrs,
à 60 ans, on te voit avec un petit enfant de 6 ans en train de l'embrasser. Ça me traumatise. En tout cas, portez-vous bien, j'ai été trop longue. Je vais devoir arrêter. Allumez vos cerveaux. On se prend à la prochaine, les amis. J'espère que tu as bien compris de quoi je parle, Koff. Je pense que, Thomas, je vais essayer de lire ton commentaire tout à l'heure. Merci d'avoir été là. Merci, Josiane Mireille. Merci, Bradil, génial. Merci à tous qui avaient été là, vraiment, hein. Tracy Royal, j'espère que tu vas bien, CGV, merci d'avoir été là, je vous aime bien, merci encore Africa Bantu pour les étoiles, merci vraiment, ça me fait du bien de voir ça, et je sais pas, j'ai jamais su quel était le bonheur de ça jusqu'à ce que je commence à les recevoir la dernière fois, merci à toi David d'avoir été là, le colonel Yann, merci vraiment à tous ceux, je ne sais pas citer les noms, Pelle Royale, Dieu donné, Tumenta, portez-vous bien, hein, à la prochaine, vraiment, réveillez-vous. Parce que quand je vois ce qui va se passer, ça me fait mal en fait. Tant qu'on ne se réveille pas, ça va se passer et j'aurai mal. Je vais pas pouvoir supporter ça. Réveillez-vous. Comme en 2016, je vous avais dit, je vois de la cendre. Je vois de la cendre au nozo. Les gens m'ont dit, oh Cathy, non, non, non. Quand ça s'est passé, ils sont venus dire, ah Cathy, tu avais parlé de ça. J'étais like, really? Et quand je vous dis, vous n'avez pas cru, vous étiez ceux-là qui me jetaient les pierres, les gens qui disaient, viens ici au pays, nous dit ça, viens ici, nous dit ça. Et je leur disais, je suis là, à Banja, à Fondjomokwe, venez me trouver là-bas. Portez-vous bien, hein? Priez pour vos enfants, veillez sur eux, et prenez soin de vous aussi, hein, parce que c'est quand vous prenez soin de vous que vous pourrez prendre soin des enfants aussi. Portez-vous bien, je vous aime bien, bye bye.